Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On peut danser 16 poules. Incroyable. Nous avons du coup notre ennemi s'est transformé de Michel E en 7 E. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui nous attend au terminus? C'est maintenant la réponse. Hachoum! Voilà. Ouf, skill. Léviathan, t'entends le temps, t'entends. Pas tes souhaits? Oh là là. Je pouvais pas savoir que 7 c'était 7 E. Ah non, je le sais. Punition! 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 Mais il n'arrive même pas à le tuer, quoi. Préparez-vous pour la bagarre. Pour la prochaine boucle, évidemment. Bah après, pour la prochaine boucle, est-ce que du coup, ça va être encore 7 d'un ennemi? Je sais pas trop. Fais pas genre, hein. Je sais que tu as fait deux boucles. Alors du coup, à quoi ça sert de passer là-dessous? C'est au final, on réatterrit au même endroit. On a des coffres... Attendez... Des coffres cachés. De la cascade, encore une cascade. Et une boucle! Boucle. Et là-bas en plus aussi. Plein de théories. T'as des gens incroyables. Moi, j'évite de me spoiler. Je préfère me faire spoiler en direct. Bon, on a quasiment trouvé tout seul, en vrai. Hein. On l'aurait testé, j'en suis sûr. Pas du tout. Je sais pas, en vrai. Difficile à dire. Bon, c'est juste que j'ai préféré demander quand même confirmation. Parce que c'est vrai que refaire des boucles et des boucles et des boucles... on n'est pas très fan. On n'aime pas chercher dans les jeux. Ah, mais attendez, on a déjà vu ce vide intersidéral à gauche là. Très joli vide. Hein. Ok. Bon, au final, ce souterrain sert strictement à rien, mis à part nous bait avec un coffre. On ne sait pas comment avoir. Échange de cible au lieu de d'overkill. Ah ouais, mais je sais même pas projet. Je l'ai tué d'ailleurs. Ah mais c'est ce coffre aussi. Alors on s'en fout, on s'en fout. Ah mais attendez. Non attendez rien. On pourra ouvrir les coffres parce qu'il y a toujours des armes plus puissantes que puissantes, mais bon. Joseph Thiers pour le moment. C'est pas notre priorité. On pourrait bien voir de toute façon si on galère à un moment donné. En même temps si on se trimballe au rayon dans notre équipe, il y a des chances qu'on galère. Du coup, il a dit longer la côte. Ah bah c'est ouvert en effet.
pas par là. Pourquoi il ressemble à un singe? Tu te choques! Waouh! Arthur, le juge flamboyant, le chevalier du feu. Il hein y a aussi des. Y a déjà quelqu'un qui s'appelle Arthur? Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Je passe derrière cette tuile. Et je suis caché. Et je suis pas caché. Et je suis caché. Une serpe. Les fins gourmets cueillent délicatement les champignons avec cet outil. 207 cristaux de sel quand même. Et un ciré marin. Son confort et son imperméabilité sont appréciés pour les navigateurs osant braver le lagon larmoyant. J'achète évidemment ce ciré marin. Après on peut vendre plein de trucs. Hein. Genre cette fois-ci. Maintenant 10 prix de vente. Pistolet d'alarme. Une faux. Tout vaut 10. Y'a pas des trucs qui valent plus cher que 10. Moins cher que 10 apparemment. Oh non, l'armure 3 elle était bien. Non, tout vaut 10. Par contre, 44 le carton vide. Les pages sont invendables et l'épée de bois aussi est invendable. Hein? L'épée de bois est un objet de quête, mais on l'a chopé au pif. À côté de. Du pod craché, c'est ça? Non? Un objet en bois qui a fait la joie de beaucoup d'enfants. Bon, on a pas besoin d'autant de sacs bananes. Bon, on n'arrivera pas à la valeur souhaitée. 600, c'est assez, c'est beaucoup trop loin. N'ayez crainte, majesté, la balance est sous contrôle. La balance? C'est une grue. 7! C'est 7! Ce garde-là, c'est 7! On l'a retrouvé. Les catacombes feraient d'utiles raccourcis si seulement j'avais un surf. Ah! Ah! Un surf! Une CS surf! Une fois un Pokémon qui va avec, du coup. Bah oui, en effet, hein, ce serait utile. Hein. Les gamines, y'a un souci? Alors, c'est ça la mer! Cette odeur! Elle me rappelle, oh mon dieu, pas de zèle. Tant de souvenirs. Arthur, tu viens danser? Avec un C? Je ne danse pas, toujours avec un C. Ah, dommage, une prochaine fois peut-être. Luna se souvient du flux océanique. En suivant au mieux la chorégraphie, le camarade ciblé pourra agir deux fois par tour. Oh là là, c'est Dance Dance Revolution. Bon, continuons. Du coup, c'est pour ça que Seth voulait m'emmener voir la mer. Mais comment il savait que... La mer infinie. Ah bah dès qu'on en aura surf, ça va être génial. Le jeu vient de s'étendre de 10 km de long et de large et de travers. Arthur trouve un marteau rudimentaire. Cet outil, c'était quoi? Permet de briser des minéraux ou des poteries. Il suffit de faire une roulade pour briser des poteries. Enfin, on l'a appris dans
dans un certain jeu vidéo. Un lutin habillé en vert, un lutin. Ah oui, bah oui. C'est logique en même temps. Mais en même temps, quand tu composes une musique, du coup, tu dois savoir aussi à quel segment il appartient. Tu dois avoir le mood, non? Donc tu sais quel mood t'attend, mais tu sais pas comment y aller. Du coup, j'ai pas regardé le Dance Dance Revolution, il apparaissait à quel moment? C'était le... une petite chée de Luna, c'est ça? Ah bah SERP, directement, bim. Ah mais la SERP c'est pour c'est pour 7. Et 7, bah, on l'a plus. La crique des ermites. Je sens presque les embruns. Ah non, je sens presque... Mais bordel, arrêtez de foutre des portraits qui, hein. Bon, on retrouve beaucoup de trésors sur la plage. Le courant les dépose là. Mais avant ça, d'où viennent-ils? D'où viennent-ils? Formidable robot, dit-on nouveau. Ok, calme-toi. Un tuba de plongée. Il permet de ne pas perdre en résistance lorsqu'on est surpris. Ah, parce qu'on peut être surpris. Elle permet à l'apporteur de ne pas perdre en puissance lorsqu'il est joyeux. Oh là! Je sens les embruns. Mais je te dis, c'est une Marseillaise. Déjà avec son attaque et la bonne mère, là. Porte-toi les murs. Je suis pas là. Ah, l'agression. Préparez-vous pour la bagarre. Ah, elle était très joyeuse hein, quand elle a tiré. Elle était très contente. Je sais pas si ça a toujours été le cas, mais... Et du coup, il agissait x2. Surprise. Ah non, c'est nous qui... Je sais pas. Merde, je me suis gouré de touche. Bravo. Ah non, c'est lui qui attaque deux fois. Alors quand il est surpris, non, c'est nous qui nous... Ah d'accord, c'est lui qui nous surprend. Voilà, du coup on peut être surpris. Mais non mais, ok, c'est pas grave. Une promenade de santé. Une promenade de santé. Quelle voix grave. Alors, c'est Arthur qui level up. Qu'est-ce qu'on lui met? Un peu de santé, maintenant de la puissance. Oh là là, le level up. C'est Crab qui rapporte énormément d'XP. Bon, joue full puissance au final. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et c'est quand que t'apprends du psyché, Falafel? Autant on comprend pourquoi les singes se retrouvent dans une marmite s'ils s'appellent Falafel. It's over 9000! Et au final, c'est 8000. Et parce qu'ils ont traduit, ils se sont dit qu'au final, ça sonnait pas bien. Et du coup, quand ils ont traduit en anglais, ils ont mis 9000. Bref. Simon, avec un avatar. On dirait un peu les portraits qu'on retrouve dans les RPG Maker ou autres. C'est l'heure de ma pause, reviens plus tard! Oui, Simon. Toujours pas de surf. Et toi, t'as un surf? Hein? Pourquoi est-ce qu'il y a des cirés beaucoup plus chers que d'autres?
Je veux le tirer à 70 boules. Il possède beaucoup de tirer ma... Beaucoup de modèles. Il est là, cet innovate, il nous tente. Je ne sais pas quel est son plan, mais ce train va droit vers l'épicentre. Le système est menacé, nous devons l'arrêter à tout prix. Très bien, mais on comprend rien à ce qu'on fait, mais très bien, on t'aide, on sait pas pourquoi. C'est quoi le système? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Expliquez-moi. Je veux bien faire des trucs, mais à un moment donné... Ça, c'est fort quand même, les gens qui sont capables de faire des trucs sans comprendre ce qui se passe. Ouais, on suit, hein. Voilà, il faut avoir surf, du coup. Bon, il faut avoir ce maudit surf pour débloquer la suite de l'aventure, ça c'est sûr. La question, c'est comment avoir un surf. Parce que du coup, il faut utiliser moult ciré. Parce qu'un lait ciré est un surf, en fait. Tu lui. Niveau 20, Luna Arthur. Niveau 18, le Falafel. Niveau 13. Et niveau 22, Michel E. Elle aura 44, 44 et 18. Michel E avec Daniel E. Daniel E qui a été transformé en Poulpix. Présenter un titre de transport valide. Pour que je puisse me faire tamponner le ticket, poinçonner le ticket. Ok, c'est parti. Ben. Bien stimulant. Connexion. Merci les tapis roulants. Oui. Le Tarvail, ça ne change pas. Ah, c'est comme non, je sais plus quel jeu. J'allais dire Dicey Dungeon, mais peut-être pas. Je sais plus. Un sort de rogue un peu comme ça, et où c'était écrit du coup Victor au lieu de Victoire. Et au final, ils auraient pu le laisser. Hein. Ça devient vite un truc auquel on s'attache. Là, tu auras 10 de volonté, même si ça te sert à rien parce que, apparemment. J'ai trouvé un chapeau. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder là-bas? Un chapeau. Bah, un chapeau, c'est pour un singe, ça c'est sûr. Le chapeau 3, armure lourde. Ah non, c'est pas pour le singe. On a envie quand même qu'il fasse mal. Ah non, chapeau 4. Bon, c'est pour avoir moult volonté. Mais du coup, ça voudrait dire diminuer la puissance d'attaque. Avec son home de chevalier nul, il veut pas mettre un chapeau à la place. Ah voilà, il a un peu moins de PEV, mais au moins, il pourra lancer moult fois sa charge. En même temps, déjà, il peut la lancer 6 fois, donc là c'est peut-être un peu overkill en vrai. Bon, on s'en fout, je joue pas 200. Ok. Ah, déconnexion avec CT.
Aïe aïe aïe. Oui oui oui. Ah. Ah, attendez. Que je sois pas complètement con. Oh, je vois, je comprends tout. Donc on pourra revenir ici. Le but ce serait de revenir là. Ah bah non, il y a là aussi. Attendez. Là. Là, là, là. Parce que si on inverse tout, on peut arriver par là. Il dit qu'on peut arriver par là. Mais par contre, là, we are BZ. So much BZ. Je l'ai pas eu, on est d'accord, le titre de transport valide, hein, je suis pas complètement... Et donc là, je peux aller là, et après aller là, et là. Yeah, un ticket valide, permet d'accéder au train en toute légalité, c'est important. Yeah. Merde, mon dieu. Je me suis lancé dans une aventure. Un titre composté. Ah. Ah d'accord, je ne me suis pas lancé dans une aventure pour rien. Mais l'animation elle est dans ce sens là. Oh la base. Là du coup j'ai juste remis comme c'était avant, donc au final je m'en fous. Pas que je m'en fous. Mais non, dans tous les cas, il est... Mais attendez. Dans tous les cas, il m'arnaque. Il me repousse. Bravo. Ah bah merde. J'aurais peut-être dû regarder le terminal ou la mare à merde. Vous voilà, Arthur. Lors de notre rencontre ce matin, tu as retenu tes coups volontairement. Comment ça? Quand? Lorsqu'on s'est rencontré pour la première fois? Mais je t'ai pas tapé. Oh, tu me dégoûtes. Et dire que j'ai osé te faire confiance. Continue de voyager sans juger le monde, Luna. Je suis navré, 7. Je veux juste rentrer chez moi avec mon singe. Nous démarrons. Ce que vous pensez de moi, j'en ai que faire. J'accomplirai mon rêve. Venez avec moi. Créons un monde sans Dieu. Ouais, d'accord, oui, ça me va. On fait copain copain. Je peux ne pas t'attaquer. Préparez-vous pour la bagarre. Yeah, la bagarre. Mais pourquoi il faut l'arrêter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui fais un câlin. Punition. La punition du câlin. Punition. 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 Enfin, je t'ai pas attaqué. Je t'ai juste insulté. J'ai insulté ta mère et toute ta famille. Mais vraiment, il compte vraiment se battre? Le flux océanique. Appuie sur la bonne direction au bon moment pour que le camarade ciblé soit surpris. Hein? Ah oui. Ah oui, parce qu'apparemment, surpris, ça veut dire qu'on peut taper deux fois. Ne me demandez pas pourquoi. Mais sur qui elle voudrait faire ça? C'est absolument aucun intérêt.
c'est elle qui aura aimé taper deux fois. On disait 7, je t'ai tapé. Hein. Bon, en même temps, il me laisse pas trop choix. Fort bien. C'est terrible! Ils attaquent les trucs ou pas? Ah non, il y a que lui qui est en colère et les autres. Les autres Osef. C'est des extensions. Du coup, c'était pour ça qu'il était infecté? Quand son corps était tout, tout rabougri? Allez, on abandonne pas. Par contre, bon, c'est pas la posture la plus stable, hein, quand même, pour combattre. Une pilule. On arrête avec les pilules. Plus jamais de pilule. Là, j'ai plus assez de... de mana. Squam, squas, me son soin. Ah. Elle m'a remis une tente. Regarde, souviens-toi, Seth. Tu voulais m'emmener voir la mer. J'ai vu la mer. C'est terminé. Rentrons au dépôt. Allez, Arthur, je vais enfermer cette créature. Ensuite, direction l'épicentre. Non, on doit l'achever. Dieu seul sait ce qu'il mijote encore. Sois raisonnable, Arthur. Arthur, attends, écoute-moi. Ça peut être différent cette fois. Seth, je... m'occupe de lui et on repart pour l'épicentre, d'accord, Arthur? Espèce de nihiliste! Réveille-toi! Oh, pourquoi? Pourquoi conjuguer-moi ces verbes? Tu as signé ton arrêt de mort! Calme-toi, Arthur! Luna, fais quelque chose! Oh là, mais Luna, c'est une victime. Arthur, n'écoute pas leurs mensonges! Ils détruisent ton cerveau! Bon sang! Mais où es-tu? Le juge m'aurait menti? Hein? C'est juste Arthur. Mais c'était écrit pour le bon sens. Et c'est terminé. Où vas-tu, Luna? Arthur, c'est terminé. Suis-moi jusqu'à l'épicentre. Non, j'irai seul. Michel, papa, j'en ai assez, je vais prendre la place qui m'est due. Je vais devenir le dieu du cloac. Hein? Et le juge vient d'arriver.
Arthur, tu n'as pas un travail à finir? Papa, laisse-moi passer. Et pourquoi tous ces types sont à poil? Pourquoi a-t-il 33 000 sans PV? Faut que j'arrête de vouloir jouer l'extrême. Hein, tu as fini avec tes caprices? Michel, viens ici. Eh oui, chef. Amène Arthur à l'épicentre, quoi qu'il t'en coûte. Je t'ai pourtant dit de suivre les indications du cahier, tu l'as toujours? Eh bien... Hâtez-vous, j'en ai j'ai affaire pour rattraper vos erreurs. Cette chair palpitant dégage une odeur nauséabonde. Et un magasin aussi. Dont des explosifs. À 160 boules quand même. Ah, et là du coup on est obligé d'inverser en effet. Ah, connexion avec un X. C'est des connexions avec un C, CT. Ça ne fait rien. Alors, donc du coup... Bon, je pense qu'on va sauvegarder ça, même si c'est vrai qu'on a sûrement pas... On a dû louper des trucs. On a tué 7. Je suppose qu'il faut pas tuer 7. Que c'est pas une bonne chose. Luna qui a une volonté quand même d'huître. Tout ce qu'elle veut, c'est... une personnalité d'huître. Tout ce qu'elle veut, c'est son singe. Son singe, qu'au final, quand elle l'a retrouvé, c'était un peu aux F-tiers. Qu'elle l'appelle du coup Falafel et elle cherche pas à comprendre, elle s'en fout. Elle entend des voix aux aftières aussi. Et Alina, elle veut son singe et puis c'est tout. Alina très heureuse. Hein. Falafel pas content. Alpha la fin n'est pas content. Parce qu'on a tué. Donc, du coup, faut aller où cette fois-ci? Eh bah, retourner à l'épicentre. Donc, il faut refaire tout le trajet jusqu'à l'épicentre. Donc, là, c'est pour te dire. T'es arrivé jusque-là, mais tu t'es foiré comme un sac à caca, et puis de toute façon, t'as jamais surf. Donc, le but du jeu, c'est quand même d'avoir surf aussi. La question, c'est qu'est-ce qui peut servir de surf? Alors peut-être qu'on va le trouver vers Dieu, mais... Et voilà, là du coup on est de retour sur les rails de la procédure. Tout ça parce que papa, ça a interposé. Il était où le vendeur de ciré? L'autre côté? Je suis sûr que c'est auprès de lui qu'il faut acheter le ciré à 75 boules. Regardez. Merde, j'ai pas assez d'argent. Ah si, 70. Ah, c'est un ciré marin.
Hein, seulement un boule, le... Ah, 7, 6 boules quand même, ça. 15 boules, le stimulant. Ah bah tiens, les pilules, vu qu'on les utilise pas. Arthur, c'est un gars plutôt sympa. Ah, pas vraiment. Il est plein de haine. C'est pas trop. C'est une personnalité complexe. Bon, d'accord, je veux ce ciré à 30 boules. Je veux le moins cher. Non, je veux l'intermédiaire. Je veux celui à 60 boules. Ok, d'accord, je vais avoir tous les cirés du monde. Tous les cirés du monde! Alors, peut-être qu'il fallait, il me fallait un ciré. Pour convaincre Seth d'arrêter ses conneries. Ça. Pas grand chose à cirer, lol. T'en es rien à cirer de tes cirés. Ah. Ah! Des souvenirs! Les souvenirs, faut les pêcher. Hop, et tu me donnes surf. Pas du tout. Ou une clé Steam. Ou les deux. Bon après, si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec... C'est auprès d'eux qu'on a toujours trouvé des items un peu chelous, mais... Bon, ouais, je préfère ça, enfin. Bon, par contre, ils sont pétés de thunes, hein. Le voyage continue. Arthur... oui, la volonté... Tu es plein de colère, Arthur. Est-ce que tu prendrais pas une pilule? Peut-être qu'il faut lui faire prendre des pilules à Arthur, parce que là... Il est plein de haine. Alors qu'est-ce que du coup, on n'a pas fait comme endroit? Donc il y a tout ce qui concerne le surf, ok? Donc les catacombes, nanana, zouzouzou. Et puis la mer, le lagon, tout ça, tout ça. Ici, c'est quoi déjà? Bah, c'est les catacombes aussi. C'est lui qui nous dit d'ailleurs. Si seulement j'avais un surf. Si j'avais un surf. Tout il est, oui, oui. Ah oui, du coup, la balance. Donc la balance est sous contrôle. Et là, nous avons un crochet. The crochet of the balance. Arthur Souxanas, bah il faudrait le calmer, oui. La mer infinie, tout ça, donc. Le surf est critique, en effet. La question, c'est comment obtenir ce maudit surf? Ah oui, là, donc, du coup, c'était, j'avais l'impression d'avoir innové, mais en fait, je reviens en arrière. Voilà, normalement, je peux plus rien obtenir de cette run, on est d'accord. Peut-être que si, peut-être qu'au niveau de Dieu aussi, on verra de nouveaux dialogues, mais... Et le mec qui veut faire exploser le ciboulot. Via les obélisques. Dieu parle dans nos têtes via les obélisques. Les obélisques, c'est ces merdes-là. Hachoum! Ah parce que du coup je vais réatterrir sur la même et ça va pas du tout me faire progresser, c'est ça que t'es en train de me dire? C'est ça. Ça compte pas comme une autre route? C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai fait un choix qui fait que je suis revenu sur la route neutre. C'est-à-dire que j'ai fait un choix différent. Qu'est-ce que j'ai fait comme choix? J'ai fait un choix.
J'ai tué 7. Mais en même temps, je pouvais pas ne pas le tuer. Je l'avais fui 15 fois et... je pouvais pas. Il m'avait attaqué. C'est lui qui a attaqué le premier. On a obtenu le ticket de caisse, le ticket de train. On n'a jamais eu surf. Ah, oui. Ah, d'accord, quand il disait tu es allé tu as retenu tes coups à notre rencontre. Bon, je pense qu'on s'en fout, non? C'est pas comme si justement ça nous avait empêché de le jeter dans un lac. Ah, mais voilà, est-ce qu'on peut utiliser son cadavre pour surfer? C'est un cadavre, ça flotte bien quand même. Un tas de chair qui bouge plus. L'orgue dont tout le monde se branle. Bah alors j'adore parce que quand on arrive ici, qu'on a 7 dans notre équipe, c'est aux FTR aussi. Mais il y a du surf partout. Le problème c'est qu'il y a de l'eau partout. Donc on a envie de surfer everywhere, everywhere. Everywhere. Je suis désappointé. Mais... ce sort va débloquer moult situations. C'est toujours la page de cahier 7. Elle était censée ne pas être là. Ah, tu savais pas que tu voulais faire ça. Mais tu l'as eu la page de cahier 7 ou pas? Bon, par contre nous on a A2. T'as eu d'autres pages de cahier, parce que du coup on sait que c'est les pages de cahier de... Ah ça c'est l'épée nulle. Ah, coupe-circuit. Il faut donner 3 petits coups du bas vers le haut pour couper un circuit électrique. Attention aux ampoules. Une ampoule. T'as eu aucune page. Bon, en même temps c'est la seule qu'on a une. Mais en même temps, c'est pas parce que j'ai la page que je peux faire quelque chose de ma vie. Pour moi, ça c'est le cahier de Seth, où elle écrivait du coup des trucs. Je te disais, en effet, ah, mon journal, je me suis gouré, je sais pas quoi, enfin, j'ai fait un mauvais calcul. Ça, je pense... Alors, soit c'est une page du journal. Soit, bah, du coup, ils ont parlé de deux journaux au final. Il y a aussi le journal de Barbuman, de Michel. Tout le monde a des journaux là-dedans, c'est incroyable. Le regret. Je pêche le regret. Pour avoir une baie. Aptopoule. Tout va bien? Ça va. Toujours plus de puissance sur Falafel.
Bon, niveau 15, il est toujours pas de psyché. Ça a l'air d'être impropre de... des humains. Le retour du chapeau 4. Les Michael Bay. La balle de motricité. Et la casquette 4. Ah oui, la balle de motricité, du coup, on lui a pas redonné à Falafel. Est-ce qu'elle est vraiment si bien que ça? Mais non, c'est pas pour Falafel, apparemment. Les jeunes mammifères. Attends, on va avoir un autre animal, on va avoir un ragondin. Ah, j'ai rebasculé sur une run neutre, donc t'es en train de me dire que je suis dernier des connards et qu'il va falloir tout refaire encore une fois. Super. Ah mais neutre, ça veut dire que c'est bien, c'est ok. Donc du coup j'aurais pu avoir la run méchant. Méchant Arthur. J'ai pu avoir du nouveau contenu. Donc quel enfer. Quel enfer. Après on va faire une pêche au trésor là-dessus. Bon tout ça on va de plus en plus rouler sur les boss. Punition! 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 J'ai mal au cul. Câlin. On devrait prendre un Michel. J'avoue. Pour que ça prenne un peu moins de temps. Ah. Donc, il y a déjà deux routes supplémentaires sans surf. On va dire. Dès que t'as surf, c'est la joie. C'est joie et volupté. Tout va bien? Ah oui, du coup, il faudrait... Pour la bagarre. Bah non, les bagarres. Faudrait que je vois à quel moment j'ai dérivé, parce que si tu me dis que on voit la route en effet sur l'écran titre. Du coup je peux progresser sur dans le jeu et à chaque sauvegarde je regarde l'écran titre. Bon ça veut dire que dans tous les cas je me condamne. Préparez-vous pour la bagarre. Allez, on abandonne pas. Je sais pas pourquoi j'ai pas provoqué Dieu. Alors, Dieu, c'est quoi? C'est l'acronyme de quoi? Et est-ce qu'en anglais, du coup, ça fonctionne? Ah bah non, il a plus de punition.
Ah, mais il est triste, c'est pour ça aussi qu'il peut plus utiliser de toucher. Oh oui, en doucement. Il a peut-être jamais eu en vrai. Et remontalis. Tout va bien? Tout va bien? Yay! Yay! Ça, et tu crois que ça a l'air d'aller? On vient de tuer un de nos camarades, tout va bien? Tout va bien? Abduction. Plus que deux tours. Allez, on n'abandonne pas. Non. Il faut le tuer avant qu'il fasse son attaque. On devrait le faire. Par contre, c'est pas lui qui va tuer. C'est Michel qui va tuer. Est-ce qu'il peut tuer sans... sans utiliser sa capacité? Oui, de justesse. Une promenade de santé. On n'a pas essayé de l'équiper d'ailleurs d'autres pioches. On devrait. Ah bah Dieu, il rapporte plus rien en termes d'XP. Et voilà. Hein? Mais comment ça? Mais oui, d'accord, je veux bien être retourné. Oui, voilà, mais en plus du coup, jette un coup d'œil là-dedans, ton singe est là-dedans. Ben non, il était juste là en train de combattre avec moi. Il s'est jeté, il est tombé, il a chuté pendant le combat. Et 7. Moi, je veux bien qu'on puisse changer de route, mais quand même. C'est chelou quand même, quand même. Mais Lina, est-ce que ça va? Mais Seth, qu'est-ce que tu fous là? Je suis navré, je ne sais, je savais très bien nager, j'ai la Seth Surf, je ne pouvais pas me noyer. Des bisous, Antalis. De toute façon, il n'y aura pas de jeu ce soir, hein, donc t'inquiète pas. Et dans la semaine, je sais pas, hein, on verra. On verra vu qu'en en fin de semaine, hein, du coup, tournoi de badminton, donc peut-être que le seul live de la semaine qu'il y aura sera jeudi, à voir. Peut-être mercredi, on aura un aussi. Dernière partie! Depuis toujours, une voyageuse parcourt le monde avec son seul ami, un petit singe nommé Orion. Luna, Qu'y a-t-il, mon petit Orion? Ça va comme tu veux? Tu voudrais marcher un peu tout seul? Mais bien sûr! Tu fais jamais de bêtises tout seul! Une game plus. Voilà, j'ai l'impression quand même de m'être encore fait arnaquer. Hein. Et si je peux utiliser? Mais c'est cette baramine que tu viens de dénicher! Et je peux pas utiliser une page de cahier par exemple ou un ticket composté? Ah, j'ai déjà le ticket composté! Oh, ce troll! Oh,
Après, est-ce qu'il faut pas faire une run où on prend zéro fontaine? Ça aussi, c'est encore... comment on appelle ça? C'est comme... C'est risqué. C'est une nouvelle solution. Donc oui, sans nous, on arrêtera aussi. Alors, je sais pas trop en termes de VOD, si genre, qu'est-ce que je vais mettre, mais bon. C'est vrai qu'on tourne, on tourne en, un peu en rond. Mais, c'est le principe, évidemment, de la boucle temporelle, mais... On va voir, on verra ce qu'on fait. Bon, en tout cas, des bisous à la VOD. Est-ce que je sauvegarde, est-ce que je sauve pas? Je ne sais pas. Maybe.